Bon, ces derniers temps, je me tournais un peu les pouces sur Minecraft. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Une sorte de défi incroyable, et puis c'était speedrun qui pourrait être bien. Et j'ai une idée. Pour cela, il me fallait besoin de l'aide d'un ami, d'une roue sur internet, et du jeu Minecraft. Et ceci, je l'ai appelé le speedrun item Minecraft. C'est parti! Tantu, teaching you the language of beats. Let's go. Ok, du coup là, hop, petite tourne, on va faire tourner la roue démo. Tranquille, pas de pression. Et nous tombons sur le full fer. Qu'est-ce que le full fer? C'est juste avoir une armure full fer. Rien de plus simple, rien de plus compliqué. Et du coup, c'est parti sur Minecraft. Ok, arrivé sur Minecraft, je lance un nouveau monde. Le monde que je vais tout simplement appeler armure full fer. Bon, je pense que c'est pour ça. Voilà. Ok, sans tarder, je vois les premiers arbres, je commence à le casser. Jusqu'à là, tout va bien. Par contre, juste mon jeu buggé un peu. J'ignore pourquoi il y a de la guerre en fait le jeu. Je verrai ce problème dans les jours suivants. Donc voilà. Du coup, là, je casse l'arbre. Et le but, bien sûr, c'est d'être full fer. Du coup, là, je pars. Alors, je cherche d'une mer. Je vois un biome neige, je dis, oh, c'est bon, c'est pas là-bas que je trouve mes affaires. Du coup, je fais demi-tour. Je saute d'arbre en arbre. Et là, je vois au loin, je vois de la feuille, je me dirige là-bas. Donc, du coup, on va là-bas. Le plus vite que possible. Hop, le moment de crafter. Tac, table de craft. J'ai du mal avec le livre des crafts, du coup, j'ai arrêté. Je fais quand même le livre des crafts, mais j'ai super du mal. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais quand même mon petit bateau. Le bâton. Le bâton qui va me permettre de faire une pioche en bois. Et par contre, le truc qui est con, j'ignore pourquoi dans ma tête, j'ai fait une pioche, je voulais faire une pioche. En fait, après avoir accroché au bois, je dis, bah tiens, on va se faire une pelle en pierre. Et bah non, je fais une pioche en pierre. Et dans ma tête, j'étais en mode. Dans ma tête, ça sonnait tranquille. Mais après, arrivé à un certain temps, j'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Du coup voilà. Du coup là on partons dans l'aventure des eaux à la recherche des bateaux. Parce que dans les bateaux enfouis dans la mer cachent des trésors dont ce qui nous intéresse le fer et une carte au trésor bien évidemment. Voilà, ça prend du temps parce que la carte elle charge, en même temps donc c'est un peu savoir. Et là je parle bien, il y avait 3 malheureusement, mais au moins c'est du fait. Et du coup bah, nous avons notre carte. Et nous devrons aller en direction nord-nord-ouest. Ok, nous sommes arrivés du coup à destination pour notre trésor. Alors là, je vais bien dans l'axe, bien sûr, axe d'or, enfin, vue or, et là, je vais trouver la voie parce que c'était à côté, et je me suis dit, pourquoi j'ai crafté une pioche en pierre? C'est pourquoi j'ai crafté une pioche en pierre? Parce que c'était une pelle en pierre qu'il me fallait. Donc là, je trouve pas mal de fer, je pense qu'il m'intéresse, et voilà, le gars, je vais la bouche à côté parce que c'était pas mal. Du coup, voilà, là, je me barre. Un partage des heures mais un peu long le personnage. C'est parti là je saute. Hop, je suis arrivé là, je vois j'ai plein de fer. Hop, je dépose, je fais une table de craft, je dépose la table de craft, je fais
histoire de pour enlever le truc de pignon. Je me fais quand même une petite étendement. Histoire d'être bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit peu de partager. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour notre défi. Sur ce, bye bye tout le monde.